royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Et c'est pour ça qu'on dit que les normies et les monstres ont autant peur tous les deux de ce château. Waouh, c'est vraiment une superbe histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Je n'y crois pas trop. Moi non plus. Vous savez où est ce château? Je n'y suis jamais entré. Moi non plus. Tout le monde a peur d'y entrer. Moi, j'ai peur de rien. Tu fais rire, Thomas. Ça vous dirait d'y aller ce soir? D'y aller? C'est même pas la peine. En plus, ça ne m'appartient pas. On n'a pas le droit. Dis plutôt que t'as les chocottes. J'ai pas les chocottes, on va y aller. Moi aussi j'irai. Moi j'ai peur de rien, j'y vais. On se retrouve ce soir à l'école. Oui, j'ai hâte. À ce soir, Frankie. À ce soir. Thomas. À ce soir. Cette soirée va être électrifiante. Dis Rochelle, tu crois vraiment à l'histoire d'Opéretta? Comment dire, j'y crois sans y croire. Un monstre qui nous ferait peur. Tu sais, un monstre, c'est un monstre peut-être comme nous, mais qui fait peur à tout le monde. Tu as peut-être raison. Bon, on se retrouve ce soir. Ouais. Allez, ciao. J'ai vraiment hâte de ce soir, mais j'ai peur. Bon, la nuit commence à tomber. Les filles devraient être là déjà depuis 10 minutes. Ne t'inquiète pas, Opéretta, elles ne devraient pas tarder. Je savais qu'elles auraient la trouille et qu'elles ne viendraient pas. Elles auraient pu au moins me prévenir par SMS. Oh, ne parle pas trop vite, les blagues qui arrivent. Hein? Alors, les ghouls, vous êtes prêtes? Prêtes? On y va? Ouais. Vite, il faut pas qu'on arrive trop tard non plus. Ouais. Dis donc, il fait sombre ce chemin-là. Regardez, le château est devant nous. Quoi? Oh, regardez, les murs de ce château sont complètement tagués. C'est vraiment dommage. C'est à ce moment-là que le fantôme s'est rébellé. De quoi tu parles? Oui, à force que les gens venaient taguer les murs, elle a décidé de se rebeller. Et c'est comme ça qu'elle a tué un homme. Oh, ça me file la chair de poule. Bon, l'entrée est bloquée. Et il n'y a pas d'entrée. Mais si, regarde la petite fenêtre. Oh, une petite entrée. On serait mieux d'y passer les yeux. Vous venez? Ya yeah. Aïe! Opéretta, ça va? Purée, il faut y aller. Vite! Venez les ghouls, j'y suis entrée. Ok. À mon tour. Waouh, c'est pas effrayant. Grave, c'est plutôt joli. Je crois qu'Opéretta, elle nous a raconté que des mensonges. En parlant d'Opéretta, Opéretta, mais... Hein? Mais où elle est? Je suis là-bas, les ghouls! Hein? Oh, une porte. Fais attention. Ça va, Opéretta? Oui, oui! Vite, c'est par là, là. Vite, vite, vite. Attendez-moi. Hé, hey, les ghouls! Vous avez vu cette énorme toile d'araignée? Oh, c'est affreux! Oh, ouais. Mais toi, t'as vu la pièce d'à côté? Ouais, j'ai vu ça, c'est magnifique. Bref, on ferait mieux de s'en aller, parce que vu la pièce d'à côté, il y a l'air d'avoir quelqu'un qui habite ici. Et si elle voit qu'on est là, elle va pas être contente. Non, 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 attends, moi je veux voir le fantôme. Pff, allez, vous avez peur? T'as peur, Rochelle? C'est pas vrai. Bon, peut-être que Rochelle a raison. Non, moi je dis qu'on devrait continuer nos recherches.
On va le diviser en deux. Quoi? En deux? Oui, moi avec Rochelle et Thomas avec Francky. T'es sûr que tu veux pas qu'on reste tous les quatre? Non, non, on va faire des équipes de deux. Vous avez tous un cercueil? Non. Vous les avez oubliés? Ben oui. On continue à quatre. Alors, on vient de là-bas. Donc il faut aller tout droit. Par là? Ben oui. Allez, on y va. Ok. Des intrus dans mon château? Ils vont voir qui je suis. Allez, on y va, on y va. Qu'est-ce que c'est? Tu es Tégoul? Oui, allez, mais avance. C'est passé par là, c'est passé par là. Ah! Opérita! Purée, elle est où? Elle a disparu. On doit y aller, les ghouls. Mais on ne peut pas laisser Opérita. Il faut qu'on trouve. Il faut qu'on la retrouve. Il faut qu'on se dépêche. Oui. Allez, par là-bas. Chaise de bavardage. Tes amis ne t'entendent pas. Ils sont très loin de ce petit endroit secret. Ah. Oh, une cuisine abandonnée. Je me demande vraiment ce qui se passe dans ce château. Oh, moi aussi. Hein? Regarde, tout droit! Rochelle, n'en y va pas! C'est la ceinture d'Opéretta, elle va tomber! Ah! Hein? Qui êtes-vous? C'était un vampire. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On ne touche plus à rien. Il faut prendre une arme. Tiens, je prends ça. Oh, oh. Oh, ça va. Il faut que... Ah, bam, yeah. Il faut que j'écrase ça. Francky, ça va? Francky? Oh, je crois que je l'ai perdu. Bouh. Ah, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Bonjour, joli jeune homme. Je suis celle qui a enfermé tes amis. Je te conseille de t'en aller, parce que sinon je t'enfermerai toi aussi. Libérez mes amis. En échange, tu te marieras avec moi. Alors, je te laisse jusqu'à 3. 1, 2, 3. Si c'est pour mes amis, je dois le faire. J'accepte. J'ai enfin trouvé mon âme sœur. Ça va faire plus de 10 000 ans que je suis dans ce château. Je ne l'avais toujours pas trouvé. Oh, merci. Là, nous allons libérer tes amis. Wow, pourquoi on a été libérés tout à coup? Grave, il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. C'est pas normal. Salut les Gaules. Oh, Thomas, t'es venu nous libérer. En quelque sorte. Oh, c'est la fille qui m'a emprisonné, qui m'a fait tomber. Donc, Thomas, dis-leur. Elles vous auraient tué. Mais on a fait un... On a décidé quelque chose. Je reste avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Je me marie avec elle. Et en échange, elle vous libère.
Et t'as dit oui? Oui. Non, fallait pas. Arrêtez. Thomas, tu vas pas te laisser. C'est vraiment trop gentil, Thomas. Non, c'est pas gentil. Moi, je vais te parler, toi. Tu vois ce qui va pas chez toi. Je sais. Tu n'as jamais eu d'amis. Mais tu peux t'en faire. Il est temps encore. Tu peux quitter ce vieux château et cette solitude. Tu n'as qu'à venir au lycée de Monster High. Tu vois, Thomas, au fond, tu ne l'aimes pas. C'est juste que tu veux de la compagnie. Et tu te dis que personne ne t'acceptera. Mais dans Monster High, les erreurs sont pardonnées. Tu as raison. C'est tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas de vie sociale. Je suis seule. Je n'ai jamais eu d'amis. Depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont enfermée dans ce petit château. Ils m'ont dit que je resterai seule toute ma vie. Ne pleure pas. Tu sais, je comprends ta souffrance. Tu sais, je te propose de venir à Monster High. J'accepte. Et je vais faire de ce château des chambres étudiantes. Wow, pas bête. Merci, tu as raison. Elle s'est trouvée une amie. Et même un copain. Fin.